Seigneur Jésus, envoyé par la peine, pour guérir et sauver les hommes, en pitié de nous.
protèges, Seigneur Dieu, ceux qui espèrent en toi. Sans toi, rien n'est fort et rien n'est saint. Multiplie pour nous les signes de ta miséricorde, afin que sous ta conduite et sous ta direction, en faisant un bon usage des biens qui passent, nous puissions déjà nous attacher à ceux qui demeurent. À Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Oh,
Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, dans le baptême, vous avez été mis au tombeau avec le Christ et vous êtes ressuscité avec lui par la foi en la force de Dieu qui l'a ressuscité d'entre les morts. Vous étiez des morts parce que vous aviez commis des fautes et n'aviez pas reçu de circoncision dans votre chair. Mais Dieu vous a donné la vie avec le Christ. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a effacé le billet de la dette qui nous accablait en raison des prescriptions légales pesant sur nous. Il l'a annulé en le clouant à la croix. Parole du Seigneur. Acclamons la parole de Dieu. Et lorsque j'allais le voir,
chaque fois que vous allez le voir, vous sortez de la chambre de l'hôpital. De l'hôpital, tout le temps en pleurant. Je ne pleurais pas devant lui, mais je pleurais devant le fait de le voir comme ça. Et je me disais, mais Seigneur, où es-tu? Où es-tu, Seigneur? Pourquoi acceptes-tu cela? Alors vous pouvez me dire que j'ai été confronté plus d'une fois à la maladie à travers des paroissiens qui sont décédés, à travers des paroissiens qui ont vécu le même temps. Oui. Et en même temps, lorsque cela nous touche personnellement, bien vous comme moi, on est touché plus intérieurement. Et la question que je pose en tant que prêtre, Seigneur, où es-tu? Je ne suis incapable de donner une réponse face à cela. Pourtant, lorsque nous disons le Notre Père, nous récitons le Notre Père, comme les disciples ont demandé, eh bien, nous pouvons tout trouver. Tout peut être dit à travers le Notre Père. Nous pouvons y trouver, bien entendu, le fait de pouvoir manger, le fait de pouvoir pardonner, le fait de pouvoir entreprendre des choses, le fait de ne pas entrer en tentation, de ne pas rentrer dans le doute. Oui, cette question que je posais tout simplement en sortant de chaque fois que je sortais de cette chambre, c'était pour, sans nul doute, peut-être parce que je doutais de l'amour de Dieu, parce que je ne comprenais pas ce que le Seigneur ne faisait pas a priori. Pourtant, je suis sûr qu'aujourd'hui, Thierry, puisqu'il s'appelait Thierry, a rejoint la maison du Père. Que face à cette maladie, face à cette hospitalisation depuis 3 ans, jour après jour, il s'est éteint petit à petit, même s'il a lutté. Alors, nous sommes invités à nous rappeler que depuis le jour de notre baptême, les uns et les autres, nous sommes, je vous le répète assez souvent, je pense, nous sommes entrés dans cette vie éternelle. La vie éternelle ne commence pas lorsque nous mourons. La vie éternelle commence lorsque nous sommes baptisés. Parce que tant que nous ne sommes pas baptisés, nous sommes des créatures de Dieu. Et en étant baptisés, nous devenons des enfants de Dieu, des fils de Dieu et des filles de Dieu. Des frères et des sœurs de Jésus-Christ. Et en étant frères et sœurs de Jésus-Christ, nous avons part à la vie éternelle. Et lorsque dans les différentes lectures, nous avons entendu plus particulièrement dans Saint Paul aux Colossiens nous dire « Vous étiez morts parce que vous aviez commis des fautes et n'aviez pas reçu de circoncision dans votre chair, mais Dieu vous a donné la vie avec le Christ. » Oui, le jour de notre baptême, Dieu nous a donné la vie avec le Christ. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a effacé le billet de la dette qui nous accablait. Il l'a annulé en le clouant à la foi. Bien, chers frères et sœurs, c'est cela que nous devons avoir sans cesse en ligne de mire. Nous rappeler que le Seigneur, par sa mort sur la croix, nous a rachetés définitivement et, comme le dirait saint Paul, a effacé le billet de la dette qui nous accablait. Que le Seigneur puisse, envers chacun et chacune d'entre nous, prendre soin de nos corps, prendre soin de nos âmes pour que nous puissions avec simplicité, mais aussi sans difficulté, dire Abba, Père, à celui qui nous a créés. Amen. En nous mettant debout, nous professons notre foi à travers le symbole de Nicée-Constantinople. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles.
Il est Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel par l'Esprit Saint et s'est fait corps. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour conformément aux Écritures et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts. Et son règne n'aura pas de fin. Je crois dans l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Dans une prière unanime, faisons maintenant monter vers le Seigneur nos demandes pour tous les hommes, afin que tous puissent mener une vie calme et paisible et parvenir au bonheur éternel. Entends nos prières.
Par le Christ notre Seigneur.
arrachons-nous de la damnation et veuille nous admettre au nombre de tes élus. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur Dieu, nous t'en prions, daigne bénir et accueillir cette offrande. Accepte-la pleinement, rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus, le Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu son Père tout-puissant. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit cette coupe incomparable dans ses mains très saintes. Et te rendant grâce à nouveau, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Par lui, avec lui, en lui. Amen.
toi, Dieu Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Pour toute la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis par le même esprit ensemble, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous de tout mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenu par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons pour se réaliser cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi, le règne. Seigneur Jésus-Christ, tu es les apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse dans nous toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règne maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec nous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, vous pouvez changer un regard de paix.
Prions le Seigneur. Nous avons communié, Seigneur, au sacrement divin, mémorial à jamais de la passion de ton Fils. Nous t'en prions, fais servir à notre salut le don que lui-même nous a légué dans son amour inexprimable, lui qui vit règne maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Quelques annonces avant de nous séparer, la plupart sont sur votre feuille de chant ou d'eau. Je rappelle plus particulièrement que durant l'été, une messe est assurée à la cathédrale de Maguelone le jeudi soir à 18h. Ça peut être toujours intéressant d'y participer parce que c'est un beau lieu. Et c'est à 18h que vous pouvez y aller, vous garer juste devant la cathédrale, même s'il y a la barrière. Il suffit simplement de dire « je vais à la messe » et la barrière s'ouvre. Vous trouverez aussi différentes informations concernant Holy Beach qui continue. Alors ce soir, il y a encore les jeunes du diocèse des armées, on les en remercie. Demain soir, il y a un groupe de prières charismatiques du diocèse qui sera présent avec nous dans la semaine. Il y aura deux ou trois dates comme ça, c'est pas précisé, j'en suis désolé. Et puis enfin, la semaine suivante, il y aura des jeunes avec les chanoines de la grâce qui seront présents. À la sortie, Nicole se tient à votre disposition pour la possibilité d'acheter un sac de plage, près de 5 euros, ou le fascicule sur l'église de Canon, ou éventuellement le vin qui est à la vente tous les mercredis du terroir. Entre autres, aujourd'hui, à la sortie de l'église. N'hésitez pas à passer si vous souhaitez vos commandes. Merci à chacun et chacune d'entre vous. Je rappelle que le samedi 6 août, ce sera la fête de la Saint-Sixte. Nous aurons la présence de Mgr Alain Guélec, notre administrateur diocésain. Donc je vous invite à participer à la messe et même à faire un petit peu de pub pour qu'on puisse un peu plus remplir l'église. Alors je sais qu'il y aura la fête dehors, mais en tout cas, c'est important qu'on soit présent puisque c'est aussi le 150e anniversaire de la bénédiction de l'Église Saint-Sixte II. Donc merci en tout cas de votre présence et de faire de la pub pour venir à cette messe plus particulièrement plutôt qu'à une autre messe dans les autres clochers. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix de Christ. Nous allons prendre le dernier chant. Christ aujourd'hui nous appelle. Thank you.
Thibault, bravo aussi. Ouais, merci. Bravo c'est aussi, bien, merci. 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 Ouais. Ouais, j'essaie. Coucou, toi. Allez, allez. Ça va? D'accord. Tu vas bien? Oui, merci, monsieur.